Nous sommes le 16 février 2017, il est 18h passé de quelques secondes et nous sommes ravis de vous retrouver. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour 01 Live Hebdo, le débrief de l'actualité de la semaine. C'est maintenant. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Un nouvel écran, une nouvelle batterie, un nouvel assistant vocal. À quoi ressembleront l'iPhone 8 et le Galaxy S8, les deux smartphones emblématiques, les deux smartphones de l'année 2017 probablement. Nous allons faire le point dans ce 01 Live Hebdo ce soir avec nos experts. Raphaël Grably, vous saurez tout. Jérôme, tout à l'heure, on va parler aussi de l'élection présidentielle française. Oui, nous avons le nom du prochain président. Voilà, on a sorti un algorithme plutôt intéressant. Non, alors voilà, cette élection est-elle dans le collimateur des pirates informatiques? Cyberattaques, fausses nouvelles, les autorités sont sur les dents. Et Delphine Sabatier va nous raconter tout ça dans sa chronique Zoom Actu, ce sera dans un petit quart d'heure. Comme chaque semaine, vous le savez, dans 01 Live Hebdo sur 01 TV, vous découvrez en avant-première les meilleurs produits high-tech du moment. Et ce soir, dans notre séquence live, eh bien, vous allez découvrir un nouveau smartphone que nous concocte la marque chinoise Huawei. Oui, c'est le P8 Lite. Et puis François, un drôle d'objet que tu as apporté ici. Je ne sais pas ce que c'est, une tirelire, une boîte à chaussures. On va jouer ensemble les amis, parce que vous savez, on est très taquins et très joueurs. Cette boîte en bois, là, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure avec Christopher Siminelli, qui viendra en fait nous parler de cette petite boîte, mais aussi d'un autre produit assez étonnant. Ce sera pour la toute fin de ce 01 Live. Ben voilà, c'est le sommaire de ce nouveau 01 Live. Restez avec nous, c'est parti. Et évidemment, vous le savez, comme nous sommes en direct avec le live, vous pouvez réagir en temps réel. C'est ça qui est fort avec notre rendez-vous qui est en live. Hashtag 01 Live. Vous voulez réagir sur les rumeurs de l'iPhone 8, du Galaxy S8. N'hésitez pas dès maintenant. On va débattre sur ce sujet et ça va être terrifiant. Voilà. Et puis notre question 01 Net Orange. Ben voilà, c'est la question du jour. iPhone 8, Galaxy S8, lequel vous donnerait le plus envie? C'est un peu comme la présidentielle chez nous, il faut voter. C'est ça. Mais il n'y a que deux candidats pour l'instant. Oui, enfin, cela dit, à la fin, il n'y en aura que deux. Mais là, ben c'est vrai qu'on est un petit peu en avance. Galaxy S8, iPhone 8, les deux best-sellers de cette année 2017. Enfin, best-sellers, on verra. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont iconiques. Oui, statistiquement, il y a 98% de chances pour que ce soit le cas. Et donc, si vous voulez voter d'ores et déjà, n'hésitez pas. Question 01 Net Orange qui vous attend. Bon, alors on parle de quoi? Eh bien, on va parler justement d'iPhone 8 et de Galaxy S8 avec Pierre Fontaine, monsieur iPhone qui est là. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Pierre, comment ça va? Bah, comme une année en iPhone 8. Comme un jeudi soir. Exactement. Qui s'appellera peut-être pas l'iPhone 8. D'ailleurs, on ne sait pas. On va y revenir dans un instant. Exactement. Et puis Raphaël Grably, qui lui va défendre eh bien, le Samsung Galaxy S8. Qui va s'appeler Galaxy S8. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Il y a des chances. Voilà. Je miserai là-dessus. Bon, alors ils ne vont pas sauter un numéro quand même avec les notes. Non, ils vont peut-être en passer un, le 9, pourquoi pas. On saute le 8, on fait le 9 directement. Après, est-ce que ça leur part pas forcément chance de sauter les numéros? Ils vont s'en tenir au 8 à mon avis. Bon, côté calendrier, on est d'accord. Le Galaxy S8 va sortir dans les semaines qui viennent. Oui, on a des dates. Alors, pour résumer, 26 février prochain, conférence Samsung au Mobile World Congress. On sait qu'il ne sera pas présenté là. Par contre, on sait qu'on saura la date de présentation en fait. Samsung a dit qu'ils allaient annoncer l'annonce. Voilà, ça c'est du vrai teasing. D'accord. Alors peut-être qu'on aura un petit teasing aussi en vidéo avec un peu de chance. Donc a priori, la vraie annonce ce sera à New York le 29 mars pour un lancement commercial mi-avril. Mmh. On parle du 21 avril, quelque chose comme ça, mais enfin voilà. Mi-avril, fin avril pour un lancement chez nous, enfin partout dans le monde évidemment, du S8. Ouais. Concernant l'iPhone, là, rien à attendre avant, comme chaque septembre, année. J'imagine, réglé, comme d'habitude. Hein, voilà, septembre. On ne change pas une équipe qui gagne. Depuis 20 ans, 5 générations, on en attend septembre, donc ce sera pour la rentrée. Ouais. Ouais. Dans les deux premières semaines de septembre. Cela dit, on avait eu l'iPhone SE qui était sorti. Le SE, mais qui était une expérimentation, on va dire. Ouais. C'est ça, qui n'était pas une vraie... Non, voilà, c'est pas... Effectivement, et qui est sorti en début d'année, enfin, premier tiers d'année. On rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez poser vos questions et faire tous vos commentaires en direct. C'est sur Twitter que ça se passe, hashtag 01 Live. On a Caribou qui commence à faire ses pronostics. Voilà, que je ne relaterai pas, car c'est secret pour l'instant. Oula. quel suspense, les amis. Qu'est-ce qu'on... Alors,
évidemment, on sait tout et on sait rien concernant l'iPhone 8 parce que les rumeurs, évidemment, se propagent énormément actuellement. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment. C'est pour ça qu'on fait ce dossier ce soir. En fait, la première chose qu'il faut dire, je pense, c'est que pour l'instant, selon des sources proches du dossier de la Coudoir, il y a 10 prototypes encore qui tournent chez Apple. 10. Donc 10 enfin c'est normal, hein, la production de masse, elle va commencer grosso modo 3 mois avant la présentation. Donc ils sont encore en phase de prototypage. Donc il y a plein de modèles différents qui tournent, ce qui veut dire que ça crée plein de rumeurs différentes, parce qu'il y a des modèles qui ont un écran OLED, d'autres qui n'en ont pas, etc. Mais donc, tu as lâché ce mot, l'OLED, oui. Ça fait des mois que ça revient sur le tapis. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que, en tout cas, l'un des modèles de l'iPhone 8, parce que visiblement il y en aurait plusieurs, serait avec un écran OLED? Alors, cette année-là, effectivement, il y a une chose qui... Enfin, sur laquelle toutes les rumeurs s'accordent et tous les analystes qui font des prédictions qui sont généralement issues d'informations de la chaîne de production, on va dire, ou des fournisseurs, on sait qu'il devrait y avoir 3 modèles. Alors, après, quand on demande plus de précision, les rumeurs ne sont pas forcément d'accord sur la taille de chacun, les équipements de chacun. Mais parmi ces 3 modèles, il devrait y avoir au moins un modèle qui serait encore plus premium que les autres, qui serait doté d'une dalle OLED. Ouais. D'accord, ça serait une première pour Apple. Ça serait une première pour Apple. Le premier iPhone avec une dalle OLED. Tout à fait, voilà. Et d'où elles viennent ces dalles OLED? Alors, ça, voilà une très très bonne question. On pose la question de chez moi. Il les assemble chez lui le soir. Monsieur Samsung. Évidemment, c'est Samsung. Alors, peut-être pas uniquement Samsung, mais... En grande partie, il y a des chances que ce soit Samsung qui produise les dalles. En fait, ils ont assuré la production auprès de Samsung, Foxconn via Sharp, enfin Sharp via Foxconn. Foxconn a racheté Sharp, c'est celui qui assemble les iPhones. Ouais, et puis, grosse usine. Voilà. Et puis, il y aurait aussi, ils ont aussi contacté d'autres entreprises chinoises pour voir s'il serait possible d'avoir des dalles OLED, mais pour la génération suivante, parce qu'il faut bien se dire que quand on vend entre 60 et 80 millions d'iPhone par trimestre, bah, ça demande beaucoup et ça assèche les fournisseurs. Quoi. Donc Samsung et LG ne pourraient pas forcément fournir d'emblée. D'ailleurs, c'est pour ça, une des raisons, a priori, pour laquelle tous les appareils, tous les iPhones ne seraient pas dotés d'un écran OLED, c'est qu'il n'y en aurait pas assez pour fournir tous les modèles. Voilà. Ouais. Après, ça pourrait être aussi un moyen pour Apple de distinguer, de faire une distinction dans sa gamme. Tu parlais du premium, du modèle premium concernant l'iPhone 8. Il y a Hugo sur YouTube, parce que sur YouTube, évidemment, vous pouvez nous retrouver. Et il y a des commentaires en direct qui nous dit « Pour l'iPhone 8, je me priverai de manger durant 6 mois pour me l'acheter. » Voilà. Je pense que 6 mois, c'est passé. Il faut commencer maintenant. Les dernières rumeurs parlent, on sait que cette année, c'est les 10 ans de l'iPhone. En septembre, ça sera l'iPhone des 10 ans. C'est important. Donc, il y aura a priori au moins ce modèle OLED qui sera là pour marquer le coup. Qui dit marquer le coup, dit nouvelle technologie, dit plein d'évolutions, plein d'innovations. Et on sait que chez Apple, généralement, ça se paye cher. Et les dernières rumeurs, les dernières analyses, les prédictions des analystes disent que ce sera au-dessus, le prix d'entrée sera au-dessus de 1 000 dollars. Donc ça fera un peu mal. Donc il faut commencer à économiser maintenant. Ouais. Niveau design, on repartirait d'une feuille blanche. Niveau design. Parce que là, l'iPhone 6, 7, machin, on commence à en avoir un peu marre. Quoi. Mais tu veux quoi, l'iPhone rond c'est une boule de cristal, en fait. Tu change un petit peu du design de l'iPhone 6. En fait, on le voit en boucle derrière. Sur l'iPhone 8, c'est-à-dire sur celui qui serait le plus innovant, il y aurait effectivement une refonte quasi complète du design, au sens où il profiterait du passage à l'OLED pour éventuellement affiner les choses, parce qu'on sait que l'OLED n'ayant pas besoin d'être trop éclairé, ça permet de gagner un petit peu d'épaisseur. On sait aussi qu'il viserait, les rumeurs s'accordent là-dessus, à faire du bord à bord. Alors du bord à bord, c'est-à-dire aussi bien sur les côtés qu'en hauteur, parce que depuis quelques semaines, il y a plusieurs brevets qui ont été publiés et qui semblent indiquer que Apple a trouvé des techniques, des méthodes pour cacher derrière l'écran aussi bien le Touch ID, c'est-à-dire le bouton qui permet de s'identifier et qui sert de bouton home, que la caméra. Ce qui veut dire que ces contraintes de design jusqu'à présent qui empêchaient que l'écran monte en haut et descende jusqu'en bas de l'appareil seraient cachées derrière l'écran, donc on aurait en pleine sur toute la façade avant, on aurait ça. Y compris la caméra ?
Et y compris la le caméra. Le haut-parleur. Oui, voilà. En fait, ça serait grâce à un système de micro-perforation dans la dalle, et, si on en croit leur brevet en tout cas, qu'ils arriveraient à faire ça. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à le faire pour cette génération-là? Évidemment, tout le monde l'espère, parce qu'on se dit c'est pour les 10 ans. Donc voilà, c'est des brevets qui ont été déposés il y a plusieurs années. Donc. Ah oui. C'est pas quelque chose, ils se sont dit, ah tiens, on va le faire. C'est quelque chose qui a été déposé il y a plusieurs années, ils peuvent travailler dessus. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Et est-ce qu'ensuite, ils vont réussir à le faire de telle sorte que quand on arrive à la production de masse, il n'y ait pas trop de déchets? Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, c'est des brevets qui indiquent que ce sont des pistes qui font écho à des rumeurs qui viennent des fournisseurs. Donc voilà, on parle de rumeurs, évidemment. Mais ce serait possible donc d'avoir un écran sur toute la hauteur, y compris donc pour la petite bande où il y a le bouton. Ça serait réservé au très haut de gamme. Ça serait réservé, a priori, donc, deux autres au très modèles haut de gamme. Plus abordables. Qui serait également peut-être plus classique dans leur conception, avec un dos aluminium. Alors que l'iPhone 8, les rumeurs disent que ce serait du tout vert, d'accord, comme pour les iPhone 4, 4S. Hein, on aurait un façade avant en vert, façade arrière en vert et puis un cintrage en acier. Alors, ça c'est pour l'iPhone. Et oui, alors du côté du Galaxy S8, précis parce que déjà il va être présenté bientôt, donc on en sait beaucoup plus. Au niveau de l'écran, justement, c'est intéressant parce que l'écran, ça va être vraiment la tendance de 2017. Hein. Le grand écran en 2016, c'était vraiment le double capteur. Mm-hmm. Là, le grand écran, le LG G6 aussi, on en parle aussi rapidement parce qu'ils annoncent un très grand écran. Et le S8, alors là, toutes les fuites qu'on a, ça montre là aussi un très grand écran avec des bordures en fait toujours plus fines. Donc là aussi, qui se rapproche vraiment de ce qu'on appelle le edge-to-edge, vraiment un écran qui prend... Mais un grand écran, ça veut dire avec un smartphone qui sera plus grand? Non, justement, en agrandir l'écran sans agrandir le smartphone. C'est vraiment le but de tous les fabricants, à mon avis, cette année, de proposer un affichage toujours plus important. Du coup, ça a des conséquences aussi chez Samsung, pardon. Qui est en fait de remiser finalement le bouton physique auquel on est habitué depuis plusieurs années, donc ce fameux bouton home, de le rendre virtuel. Et du coup, conséquence forcément, c'est d'avoir le capteur d'empreinte digitale au dos de l'appareil, un peu comme ce qu'on a avec le Google Pixel. Et donc, a priori, il devrait y avoir un écran 5,8 pouces pour le Galaxy S8 et peut-être encore plus grand, 6,2 pouces. Alors, c'est ce qui se murmure, ce sera peut-être un peu plus petit, mais il y aura une différence encore. Et il s'appellerait Galaxy S8 Plus. Voilà, donc on précise quand même que les images qu'on voit là, c'est des concepts, officiel. On n'a aucune image officielle du S8 pour le moment. Hein. Donc voilà, donc a priori, on jouerait vraiment sur cet écran avec deux tailles, deux modèles différents, deux tailles différentes. Et surtout, les deux seraient incurvés. Ça, c'est assez intéressant parce que l'année dernière, il y avait un modèle plat et un modèle classique, entre guillemets. Ouais. Là, les deux seraient incurvés. Mais on va dire avec des courbures un peu du style du Note 7, c'est-à-dire un peu moins important. Ah oui, ça va moins loin sur les bords. Que pour la version Edge qu'on avait l'année dernière. Donc voilà, donc vraiment des écrans incurvés qui prendraient une grande partie de la façade. Alors là-dessus, Samsung est quand même un peu meilleur qu'Apple, entre guillemets. Il est déjà meilleur, clairement. Il est déjà meilleur. Hein. Apple, sur l'iPhone, je ne sais plus, les chiffres, c'est peut-être 2/3 ou 66%. Oui, le ratio, je n'ai pas le ratio en tête exact, mais clairement. C'est un ratio qui n'est pas bon parce que c'est un concept assez vieillot. Enfin, l'iPhone 7 repose sur un châssis d'un iPhone 6 qui est sorti il y a plus de 2 ans. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est une fois encore, si les rumeurs disent vrai, il serait possible que l'iPhone 8 ait la même taille qu'un iPhone 7 actuel, c'est-à-dire avec celui qui a la diagonale de 4,7 pouces, mais avec un écran de 5,5. Et voilà, c'est ça. Ah bon, on pourrait y arriver. Voilà, en supprimant les bords, Voilà. Wow. Donc, évidemment, on demande à voir, etc., etc. Mais c'est vrai que ces rumeurs, en tout cas, ces rumeurs, et qui sont aussi... D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce qu'il y a un analyste qui travaille pour KGI Securities, qui s'appelle Ming-Chi Kuo, qui a souvent raison, il faut bien le dire, concernant Apple, et qui a fait dernièrement ses prédictions de taille et d'évolution de taille. Oui. Donc, on peut dire que jusqu'à présent, ça lui est arrivé parfois de se tromper, mais il a eu aussi très très souvent raison. Donc, on peut dire, peut-être qu'on va avoir effectivement droit à un iPhone 8 qui ne sera pas plus encombrant, mais qui aura un écran vraiment plus grand. Bon, les amis, on pourra en parler pendant des heures, bien sûr, évidemment. Peut-être brièvement, mais très brièvement, un mot sur l'autonomie, la batterie. Il y a des nouveautés dans ce domaine à attendre? Parce que ça, c'est quand même super important.
Sur le S8, a priori, c'est pas là-dessus qu'on attend les plus grosses nouveautés. Après, le S7 était pas mauvais quand même en autonomie. La seule différence, c'est l'arrivée de l'USB-C, mais enfin ça, c'est acquis. Ouais, bon, ça, voilà. C'était déjà sur le Note 7, donc il n'y a pas de raison. Côté iPhone, il y aurait de nouveautés. La première, c'est qu'on aurait enfin du chargement sans fil, donc ça peut être à distance. Mais à distance. À distance, c'est-à-dire voilà, qu'on s'est obligé de poser jusqu'à 3 mètres, a priori, si ça fonctionne. Si les rumeurs disent vrai, une fois encore, on est un peu dans le fantasme, bien sûr. Il faut être prudent. Ça, c'est nouveau. Il y aurait déjà le chargement sans fil, d'une part, parce qu'on sait en tout cas qu'Apple a adhéré à un consortium dans le courant de la semaine. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est effectivement la carte mère de l'iPhone 8 serait en fait utiliserait une nouvelle technologie qu'on appelle le stacked, c'est-à-dire que ce sera empilé, qu'on pense sera un peu plus empilé, donc beaucoup plus compact, ce qui laisserait beaucoup plus de place à la batterie. D'accord. Et on aura une batterie qui aurait les capacités du 5,5 pouces dans le 4,7. Voilà. Donc on gagnera en autonomie. Donc normalement, on devrait gagner en autonomie, d'autant plus que la dalle OLED, une fois encore, consomme moins, etc. Bon, super. Parfait. Bah, écoutez, voilà où on en est concernant ces rumeurs. Merci beaucoup à Raphaël et à Pierre Fontaine pour faire le point. On n'a plus qu'à attendre maintenant. Et je pense qu'on refera un coup sur les rumeurs dans les mois qui viennent. Puisque, oui, je pense que ça va s'accélérer et se préciser avant l'été. Ouais. Même si pour le Galaxy S8, c'est une question de semaine maintenant. Ça va arriver très rapidement. Merci à tous les deux. Jérôme, hashtag 01Live si vous voulez réagir. On a d'ailleurs beaucoup de messages. Très bien. Dites-nous sur Twitter ce que vous pensez de cette petite boîte. D'après vous, c'est quoi ? Une boîte de chocolat, une boîte à musique ou autre chose ? La boîte à coucou. Attention, il ne faut pas trop montrer ce qu'il y a. Mais c'est high-tech en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, c'est high-tech. Elle est high-tech également. C'est tout de suite, c'est Delphine Sabatier. Avec toujours notre question 01net Orange. Alors, concernant ce Galaxy S8 ou cet iPhone 8, votre cœur balance de quel côté, les amis ? Dites-le nous. Eh bien, pour l'instant, c'est vraiment presque l'égalité parfaite. Ouais. 51% pour le S8. 49. Et 49 pour l'iPhone 8. Alors là, c'est franchement, il y a les deux teams, tu sais, qui doivent s'affronter. Continuez, n'hésitez pas. Votez sur 01nettv.com ou 01net.com, notre question 01net Orange. Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir Jérôme, bonsoir François, bonsoir Delphine. Tout le monde. Delphine que l'on est très heureux de retrouver et que l'on retrouve habituellement tous les jeudis soirs dans 01 Live. On essaye. Hebdo. Pour son petit zoom actuel. Alors Delphine, attention, alerte, panique, que se passe-t-il ? Il paraît qu'on va avoir une élection présidentielle bientôt en France. Et c'est à peu près sûr. Et visiblement, il y aurait une grosse menace, une cybermenace contre cette présidentielle avec des rapports sur des cyberattaques. Absolument. Et François Hollande lui-même a visiblement entendu toutes les alertes qui ont été données, lancées par les partis politiques et aussi par les agences de sécurité, de renseignement. Donc hier, en Conseil de défense, eh bien, le président de la République a demandé à ce qu'il y ait des mesures spécifiques qui soient mises en place pour la protection et la vigilance autour de l'élection présidentielle. L'objectif, avant tout, c'est vraiment d'évaluer quelle est cette menace. On parle beaucoup de cyberattaques. Quelle est l'ampleur de la menace ? Et ensuite, il faudra bien s'assurer qu'il y a tout le processus démocratique qui sera bien à l'abri des dangers, notamment de risques de perturbation, d'influence, ou voire de déstabilisation même du vote électoral. Alors, bien sûr, tout ça se fait dans un contexte où il y a énormément de soupçons d'influence. Le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, lui-même, il a affirmé que la veille de l'élection présidentielle, eh bien, les activités des hackers n'avaient pas baissé, mais au contraire, augmenté. Et puis, fin décembre, on se rappelle aussi que l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information avait aussi alerté sur les attaques informatiques, on en avait parlé ensemble, qui visaient à faire de la politique et à vraiment influencer les votes. Alors Delphine, en plus, c'est pas terminé. Hein. Cette semaine, donc c'est tout récent, il y a eu cette nouvelle alerte du côté d'Emmanuel Macron, qui lui-même est candidat à l'élection présidentielle. Dès lundi matin, c'est un peu réveillé avec la gueule de bois. Donc c'est le secrétaire général du mouvement En Marche qui est derrière Emmanuel Macron, qui s'appelle Richard Ferrand, et qui a parlé des risques d'une ingérence russe. Hein. Il les a cités dans la campagne présidentielle. Il a vraiment enfoncé le clou en déclarant que le site était victime de centaines, voire de milliers d'attaques. D'ailleurs, on a eu des chiffres. Hein. Déjà un petit peu avant cette déclaration, qui parle de près de 2000 attaques sur l'ensemble des systèmes d'information qui gravitent autour de la campagne d'Emmanuel Macron. Et la plupart, enfin une grande majorité, viendraient
d'Ukraine. Alors attention, Ukraine, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des pirates russes ou des attaques commanditées par le Kremlin. En tout cas, Richard Ferrand, il s'en est aussi pris aux médias qui étaient financés par Poutine, comme Sputnik, qui a publié notamment les rumeurs sur la double vie d'Emmanuel Macron. Des rumeurs qui ont été ensuite... Supposées, des rumeurs qui ont été très bien démenties d'ailleurs par Macron lui-même. Sputnik a aussi diffusé une information selon laquelle Julian Assange détiendrait des données privées, des mails avec des informations intéressantes sur le candidat Macron qui proviendrait de la correspondance privée de l'ex-secrétaire d'État américain, à savoir Hillary Clinton. Mmh. Donc là, on devient, alors on ne sait plus où on est. Hein. C'est un peu le principe, ça pose vraiment la question, est-ce que, ça y est, un pourrissement de la campagne présidentielle est en cours, est en marche, justement. Alors évidemment, le Kremlin est immédiatement démenti, Sputnik également, il demande toute ingérence, voilà, il trouve ça juste absurde, les accusations qui sont faites. Il y a une volonté de vouloir déstabiliser, en fait. Ouais, mais enfin, en même temps... Alors on ne sait pas de qui, on ne sait pas pour qui, mais il y a effectivement des attaques, et surtout, on a le modèle américain en tête. Oui, mais enfin, en même temps, on sait que, d'une manière générale, les partis politiques font l'objet d'attaques, donc quels sont vraiment les risques qui pèseraient sur la présidentielle, parce que c'est permanent cette menace en fait. Oui, alors là c'est la DGSE vraiment qui a formulé deux grandes hypothèses. La première, c'est la diffusion massive via des robots, des faux comptes sur les réseaux sociaux d'informations fausses, voire de messages de propagande ou des rumeurs un peu crasseuses totalement infondées. Ça c'est une première chose, ce serait donc l'inondation des réseaux sociaux par des fausses informations, des fake news dont vous avez parlé la semaine dernière, ou la révélation de mails et de données personnelles absolument confidentielles via des hackings. Et là, je disais, on a l'exemple de la campagne américaine sur laquelle plane un gros soupçon d'ingérence russe. Et on a vu quand même les mails d'Hillary Clinton être dévoilés au grand jour. Donc ce ne sont pas des menaces juste prises à la légère, c'est vraiment visiblement très sérieux. Et puis surtout, on s'aperçoit que ces menaces sont amplifiées en cette période d'élection électorale. Merci beaucoup Delphine. Merci. Sujet qui va évidemment s'amplifier dans les semaines qui viennent forcément. Delphine qu'on retrouve chaque jeudi soir dans Zoom Actu sur 01 TV dans ce 01 Live Hebdo. Donc une fois encore, hein, ne croyez pas à tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Soyez prudents, remontez à la source. En revanche, vous pouvez nous croire, ça il n'y a pas de problème. Et on peut vous dire dans un instant, c'est le labo de 01 Net. A tout de suite. Merci d'être avec nous comme chaque jeudi soir pour 01 Live Hebdo, votre rendez-vous hebdo dédié à l'actu high-tech en direct sur 01 Net TV. Ils sont là. Et oui, Stéphanie Molinier. Ils nous ont rejoint. Stéphanie Molinier, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de 01net.com et Christopher Siminelli aussi. Tu l'as reconnu, c'est Christopher Siminelli. Je l'ai reconnu, évidemment. Christopher qui, depuis tout à l'heure, nous fait véritablement passer un mauvais moment. Alors, sur Twitter, on a des suppositions. Certains pensent que c'est une enceinte Bluetooth. Enceinte Bluetooth, ce qui est pas mal. C'est vrai que ça a la forme et tout. Ça pourrait être une enceinte Bluetooth. C'est un Rubik's Cube, mais pas pratique. On va attendre un peu avant de vous lâcher l'affaire. Oui. N'hésitez pas, à votre avis, on vous pose la question. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc si vous voyez ce que je vois, vous auriez tout de suite compris. Allez-y, hashtag 01live, vous nous dites ce que ça peut bien être. La réponse dans un instant. Stéphanie est venue avec un smartphone. Je suis venue avec deux smartphones. Deux smartphones en plus. Alors ça on va y encore va. Durer trop longtemps. Alors on parle du premier smartphone qui est le P8 Lite de Huawei. Et là, vous me dites tout de suite, mais c'est vieux. Mais attends, on va bientôt passer au P10 si tout va bien. On est au P9, on va bientôt passer au P10. Eh bien en fait, le P8 Lite, qui est un appareil de 2015, a connu un tel succès que Huawei a décidé de lancer l'édition 2017. Et ce smartphone, il est vraiment très 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 bien. Pourquoi ? Parce que il a des super caractéristiques et surtout il ne coûte que 249 €. Donc ça risque d'être là encore en 2017 un énorme succès. Alors qu'est-ce qu'il a de si bien ? Qu'est-ce qu'il a de bien ? Il a plein de choses de bien. Déjà par rapport à l'ancienne version, il y a maintenant un lecteur d'empreintes.
par exemple, qui a fait son apparition. À l'arrière. Au niveau du design, on passe du tout plastique à un dos en verre. Oui, mais c'est vrai qu'il est très classieux. Ouais, enfin, il est très joli. Voilà, il est très joli, très réussi. Je pense qu'il va plaire à un maximum de personnes. On va pouvoir le trouver à peu près partout, chez les opérateurs, chez les enseignes. C'est un 4,7 pouces, c'est ça, ou un peu plus? 5,2. Donc c'est vraiment le format que tout le monde apprécie. Ah ouais, ça c'est donc vraiment un 5,2 pouces avec un écran Full HD. Il a un processeur maison, mais qui va quand même jusqu'à 2 GHz. Donc c'est pas rien. Il vient marcher sur les plates-bandes des nouveaux Galaxy A3, etc., non? Bah oui, alors c'est peut-être pas aussi haut de gamme que le A3, mais c'est tellement moins cher que ça peut quand même séduire. On n'a pas l'étanchéité, alors qu'on a l'étanchéité. Voilà, exactement. Il y a quelques petits, peut-être quelques petites choses qui manquent, mais c'est quand même très intéressant. Il y a une bonne batterie dedans, 3000 mAh. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'aujourd'hui, pour 249 €, tu l'as entre les mains, mais on a vraiment l'impression d'un smartphone haut de gamme, avec un joli design. Pourquoi dépenser plus? Après, des marques comme Wiko ont peut-être là du souci à se faire. Exact. Parce que quelque part, on a de l'Android 7, on a la nouvelle surcouche de Huawei qui est beaucoup plus sympa. Finalement, on a un petit peu tous les ingrédients qu'on peut trouver sur du smartphone haut de gamme, sauf que c'est un peu moins puissant. Voilà. On verra ce que annonce Wiko, puisque Wiko va faire une conférence de presse au Mobile World Congress. On découvrira leurs nouveautés, bien évidemment. Tout à fait. Deuxième smartphone. Et alors, deuxième smartphone, et puis la montre, ça va ensemble, c'est des produits Meizu. Donc des produits du constructeur chinois. Oui, moi aussi. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Des smartphones maison. Tout à fait. Donc c'est une marque chinoise qui vend ses smartphones en France depuis déjà un certain temps. Et là, c'est leur modèle haut de gamme en version plus. Et je trouvais ce modèle intéressant parce que c'est un énième concurrent au smartphone Note 7. C'est un format 5,7 pouces, donc pour ceux qui sont en recherche d'un grand format, ben voilà, c'est une alternative. Mmh. Et je trouvais ça d'autant plus sympathique qu'en fait, il embarque le processeur du Note 7. Donc, il devrait quand même être assez puissant. On a un écran, pareil, qui est plus que Full HD, il est Quad HD. On a donc, je dirais, tous les ingrédients pour faire finalement un smartphone assez haut de gamme. Je viens juste de le recevoir, donc on attendra de le tester à la rédaction dans les prochains jours. On ne sait pas encore ce qu'il vaut. Mais enfin, moi, je trouve que pour un format, un grand format, il est quand même assez fin. Il fait un petit peu plus de 7 mm. Bah, très classieux également. Oui, voilà, un habillage métal. Donc, vraiment... Et on est positionné à quel prix, là? Et là, alors, il est vendu... Il est en précommande à 499 €. Ah oui, c'est du haut de gamme quand même. Enfin, du haut de gamme. Voilà. Et à la fin des précommandes, début mars, il passera à 599 €. On va essayer de publier au moins, si c'est possible, les premiers éléments avant début mars. Si on peut donner notre avis, ce sera bien. Mais la montre qui va avec ? La montre Meizu, alors elle ne va pas spécialement avec. L'avantage de cette montre, c'est que c'est une montre, je dirais, un petit peu à la Wizings. C'est-à-dire qu'on a une vraie montre. C'est une vieille montre, quoi. Voilà, exactement. Mais elle est connectée quand même. D'accord. Dans la partie connectée, donc ça fonctionne avec... Connectée, ça veut dire plein de choses. Hein. Avec une application. Elle n'affiche pas les messages, par exemple. Non, elle n'affiche pas les messages. En revanche, elle vibre discrètement lorsqu'on reçoit un SMS, lorsqu'on reçoit un appel. Donc c'est plutôt sympathique. Ça n'éclaire pas toute la salle de ciné comme avec la montre de Jérôme, discret. Par exemple. C'est discret. Christopher Simonelli, s'il vous plaît. On m'a promis que la vibration, seul celui qui porte la montre... Ça va, c'est pas un problème la vibration des montres. Hein. Il n'y a que celui qui la porte qui la sent en règle générale. Ça dépend si c'est... Tout le monde entend, c'est un peu gênant. Vous avez comme montre. Mais bon, le truc sympa, donc bracelet cuir, et il existe aussi en bracelet acier. On a du verre saphir pour protéger le cadran. En tout cas, elle n'est pas trop grosse pour une montre connectée. Voilà. Et c'est un prix assez abordable puisque c'est 169 € pour la version cuir et 199 € pour la version métal. Voilà. Voilà. Magnifique. Le chinois Meizu qui essaie de s'imposer en France. Et naturellement, une autonomie de plus de 6 mois puisque c'est une pile. Et c'est l'avantage de ce type de montre connectée. Et forcément. Et parce qu'il n'y a pas d'écran. Voilà, exactement. Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie qui va avoir du pain sur la planche dans les semaines qui viennent avec le Mobile World Congress. Ouais. Hein. Ça va être chaud, les amis. Christopher Simonelli est donc là, ça va Chris? Ça va, très bien. Chris est venu avec cet objet mystère, les amis. Ouais. Alors qu'est-ce que ça donne sur Twitter? On nous demande si c'est pas une Lovebox. Il n'y a vraiment personne qui a deviné sur Twitter? Ouais, il y en a qui disent 01 et qui disent... Si, il y en a qui ont trouvé. Qu'est-ce qu'on a eu? Enceinte Bluetooth, t'as raison Jérôme, on a eu ça. On a eu Lovebox.
Une Lovebox, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, ouais, j'attendais. C'est un objet connecté qu'on a vu au CES, Jérôme. Rappelle-toi, il y a un cœur. C'est un truc cochon ? Non, pas du tout. En fait, c'est une boîte en bois. Et voilà, il y a un cœur. Et dès que, par exemple, ton amoureux, ton amoureuse envoie un petit message sur la boîte, il y a le cœur qui bouge. Enfin, c'est un... bon, c'est... Non, c'est bien plus utile. C'est bien plus utile. C'est bien plus utile. C'est donc un... Bah c'est un mini PC. Bon, il y a eu pas mal de... Oui, il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. Voilà, il y a joli 57 Simulacia, Zero1net.com, ils ont bien trouvé que c'est un mini PC, d'autant que c'est pas le premier qu'on teste chez Zero1net.com. Donc c'est un mini PC qui repose sur la plateforme NUC d'Intel avec... voilà, donc on y retrouve un Core i5, 8 Go de RAM. Donc franchement, c'est une configuration qui est plutôt à l'aise avec les tâches bureautiques, les tâches du quotidien. Mais alors, pourquoi il y a deux antennes? Eh bien, c'est une bonne question. Ça fait rire. Je pense que c'est le Wi-Fi. Je pense que c'est le Wi-Fi. Ça doit peut-être améliorer la réception ou l'émission du Wi-Fi. Mais Wi-Fi, il n'y a qu'une antenne. Non, non. Mais peut-être que si tu en mets deux, c'est regarde, tu as des routeurs Wi-Fi, tu as plusieurs antennes. Oui, c'est vrai, moi j'ai Jérôme, il a la lubie des antennes en ce moment. On va vous expliquer pourquoi bientôt. Moi, j'ai 4 antennes. Voilà, il est en train de se faire psychanalyser, là, on est bon. Sur mon routeur, il y a 4 antennes. Bon, c'est une machine qui va faire rire les hardcore gamers, parce qu'on n'est pas du tout là pour faire du jeu. Mais vraiment, vous avez compris, l'intérêt de cette machine, c'est le design et la possibilité d'intégrer un PC, et non pas toujours les Macs, et les Macs n'ont pas le monopole du design. On a enfin des PC plutôt jolis, qui s'intègrent plutôt bien. Attends, ça sur un bureau, sur une... C'est génial, c'est super. Enfin, plus personne se sert des PC, mais c'est pas grave. Tu exagères un peu quand même. Il attend justement. Sur un bureau, il essaie de nous chauffer là. Sur un bureau, il faut dire que c'est assez joli. Alors, il y a le revers de la médaille, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de prise ni sur les côtés ni sur le dessus, ce qui vous oblige à forcément le manipuler si vous voulez brancher un câble USB. Ça, c'est vrai, c'est pas très pratique. On voit des images à l'intérieur, comment c'est fabriqué. C'est hyper bien intégré. En fait, c'est des composants standards d'un NUC. D'un NUC, ouais. Voilà, d'un NUC d'Intel. La différence, et c'est un autre petit bémol sur cette machine, c'est qu'il n'y a pas de sortie casque au format jack. Ils ont fait comme l'iPhone, ils ont coupé le casque. Ouais, voilà. Il faut écouter en Bluetooth. Il faut écouter en Bluetooth ou passer par la prise HDMI qui est capable de sortir du son si on veut le brancher à une télé. Quelle galère. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors moi, quand je l'ai testé, j'ai fait des recherches. On peut utiliser aussi des mini cartes son USB qui coûtent une quinzaine d'euros, que vous branchez en USB derrière et qui vous transforme une interface USB en qui vous met des sorties jack. Voilà. Mais en tout cas, c'est une machine plutôt sympa, agréable à regarder. C'est rigolo. Et ça coûte combien ? Ça coûte dans cette version-là, c'est pas donné, 970 euros. Oh ouais, 970 euros dans cette configuration, sachant que à la différence d'autres. Oui. Oh mon Dieu, mais c'est beaucoup plus cher qu'un iPad. Oui, c'est pas bare bones. Enfin, à la différence d'autres mini PC qui peuvent être moins chers, là on a déjà tout. Il y a le PROS, il y a la RAM, il y a le stockage. Et la licence Windows. Des fois, on est un peu trompé par le prix bas des mini PC. Oui, c'est tout. Mais on oublie qu'il faut y rajouter de la RAM, une licence Windows, etc. Bon, ça reste quand même. La lime est à l'intérieur ou... Ouais, c'est un câble hyper hyper simple, hyper discret, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas une grosse lime derrière qu'on doit cacher. Non, qui ferait deux fois la taille du PC. Qui est aussi grosse que la taille. Non, c'est plutôt sympa et petit truc un peu rigolo. Vous pouvez, si le bois vous ennuie, vous pouvez changer la coque. Le fabricant Bleu Jour, fabricant français d'ailleurs. Mais c'est pas du vrai bois. C'est du vrai bois. Ouais, bien sûr. C'est du vrai bois. Ah bon, et donc si vous êtes fatigué par le bois, vous pouvez le changer. Ils ont un partenariat avec Pantone, vous savez, qui fait des couleurs. Il y a plein de couleurs sympas, d'autres matières, il existe en métal. Voilà. Bon, ça vous plaît, vous qui nous regardez ? Bah, écoute, oui. Bon, alors il y a Taxinski Mathieu sur YouTube qui nous dit qu'il préfère le Mac Pro. Bon, ça n'a rien à voir, puisque là, c'est moins puissant quand même, malgré tout. Ouais, moi, je préfère une Tesla aussi. c'est vrai, c'est pas mal. Donc voilà, en tout cas, ça a l'air de vous plaire. Et ça se trouve facilement, on peut l'acheter facilement Sur le site de Bleu Jour. D'accord. Bleu Jour, voilà. C'est français. Bleu Jour. C'est tellement chic. C'est so chic. Bon, ouais. Christopher est venu avec un autre produit étonnant, les amis. Voilà, on parlait tout à l'heure du processeur, du Galaxy Note 7, de la taille d'écran, etc. De toutes ces innovations. Tellement has-been. Tu as trouvé mieux ? Mais vous vous rappelez que les 6, 7 et 8 février, il y avait des journées mondiales sans smartphone. Bon, je pense que personne ici n'a suivi. Du tout de quoi tu parles, franchement. Ça, c'est vraiment, tu vois, ça, c'est un truc les jours qu'on ne suit pas. Ouais, on est d'accord, moi le premier. Et du coup, en tout cas, pour ceux qui voulaient suivre les journées sans smartphone, il fallait se tourner vers des téléphones simples. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup le choix. C'est des smartphones qu'on voit dans les bureaux de tabac à 30 euros, mais franchement, c'est pas beau du tout. Alors, il y a une boîte qui s'appelle... Il y a une boîte spécialisée, une boîte suisse, on reste dans l'horlogerie, qui s'appelle Punkt.
qui a créé ce smartphone. C'est pas un smartphone justement, c'est un téléphone tout simple qui ne fait. Oh, c'est rigolo, c'est un téléphone. Ouais, c'est un téléphone portable qui ne fait qu'appeler, envoyer des SMS On dirait une calculatrice. Il y a un calendrier à l'intérieur, c'est génial. Un calendrier. Un carnet d'adresses, vous pouvez stocker des numéros de téléphone. Une calculatrice ou pas ? Et non, je crois pas. Il y a peut-être une mise à jour du firmware qui est prévue. Mais en tout cas, un téléphone hyper simple. Et sa particularité, c'est qu'il a un design plutôt sympa, à la différence des autres feature phones, vous savez, on les appelle comme ça, qui ont un design voilà, plutôt quelconque. Là, il mise tout sur le design. Une autre grosse surprise, dites un prix pour ce téléphone. Je sais pas, 1000 euros comme le PC. Ah, je vous préviens, c'est une mauvaise surprise. C'est une mauvaise surprise, moi j'allais dire 50 euros. Non, 50 euros, c'est abordable. C'est abordable, alors 150. On est à 295 euros. Donc on est à 50 euros de plus que le P8 Lite, c'est ça hein, le snobisme se paye cher. On en fait 10 fois moins, mais vous l'aurez compris, c'est vraiment un produit statutaire pour les gens qui veulent revenir en arrière ou se couper des nouvelles technologies vraiment par choix et pas par contrainte. J'avoue humblement, quand je l'ai vu tout à l'heure posé sur la table, c'est la première fois sous ces cieux là, à cet endroit, que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On comprend pas tout de suite que c'est un smartphone, on a oublié, que c'est un téléphone. C'est plutôt joli. C'est un plutôt joli. En fait, ils présentent ça. Je ne sais pas si c'est une calculatrice. Ils présentent ça comme un téléphone secondaire qu'on utiliserait plutôt le week-end pour être vraiment tranquille avec ses mails. Est-ce que vous avez vu la rumeur qui court au Mobile World Congress Nokia pour annoncer une nouvelle version du 3310 qui serait boostée en fait? C'est une super bonne idée. C'est génial. Je pense qu'ils vont en vendre des palettes entières. Mais bien sûr. Oui, parce qu'il y a déjà des 3310 anciens. Comment ils vont booster le 3310 avec un capteur d'empreinte. Imaginons qu'on puisse mettre à l'intérieur une carte micro SD avec de la musique. Et oui, ça devient un baladeur. Et on en fait un Walkman. Non, mais autre mot qu'on n'a plus employé depuis 10 ans, Walkman, merci Stéphanie. On a tendance à oublier le confort qu'on a avec les smartphones, parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'est tiens, je vais tester l'appareil photo. Je me suis envoyé une photo par MMS, évidemment. C'est un écran monochrome. Tu l'as dit rapidement, mais c'est vrai que c'est intéressant. Le concept, c'est quand pour les gens qui veulent décrocher, par exemple, le week-end, tout en ayant quand même un téléphone sous la main. Exactement. Et en ayant un téléphone aussi un peu différent des autres. Bon, franchement, faut avoir quand même 295 euros à mettre là-dedans, on est d'accord. En revanche, ça ne marche qu'avec les abonnements Itineris. C'est ça le problème, c'est qu'il faut revenir en fait aux abonnements des potes. S'ils font le 3310, il faut qu'ils nous mettent Itineris. C'est ça, Nokia, tout à fait. C'est drôle ça. Ça serait cool. Merci beaucoup Christopher. Merci à vous. Et bien voilà, ce 01 à la Webdo est terminé les amis. Petit mot encore concernant la question 01 à l'interrange avant de se dire au revoir. Oui. Rappelons qu'aujourd'hui, c'est le duel de titans entre d'un côté l'iPhone 8 et le Galaxy S8. Lequel vous donnerait envie? Oui, rappelons qu'il n'existe pas encore ni l'un ni l'autre. Petit, très léger avantage au Galaxy S8, qui a un petit peu grimpé d'ailleurs par rapport à tout à l'heure. 52 contre 48%. C'est serré. C'est serré, mais oui c'est serré. C'est très serré. On va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à continuer à voter. 01net.com, 01nettv.com pour notre question 01net. Surtout, restez sur 01net.com pour découvrir au fil des jours toutes les rumeurs concernant ces deux smartphones iconiques. Oui, et puis je vous rappelle, le prochain grand rendez-vous sur 01net TV, c'est dans 10 jours, pile, nous serons à Barcelone pour le Mobile World Congress. Non, c'est un petit peu plus tard, c'est en juillet. Mais pour le Mobile World Congress, qu'on vous fera vivre en direct avec plein de surprises, des lives et découvrir toutes ces nouveautés, puisque tous les constructeurs seront là pour bomber du torse et présenter leurs nouveautés. Merci à Noémie Lefebvre Maraca, Pierre, non il n'était pas là, Thomas. Pierre est en vacances le pauvre. À Thomas Romiret. Même quand il est en vacances, on le remercie. Je pense en fait. À lui. C'est ça. Et oui. Et à Jean-David Duarte qui assurait la réal de ce live. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis. Très très bonne soirée sur 01net TV et à très vite. Salut à tous.